Je m'appelle Hugo, je suis étudiant en bachelor business à Excelia et je suis actuellement en alternance chez BMW H Cormier, La Rochelle. Je vous emmène avec moi dans ma vie d'étudiant, c'est parti! Je suis dirigé vers un parcours en alternance pour ma troisième année puisque j'ai fait auparavant un an de président d'association et en fait avoir pu découvrir les enjeux et les concepts qu'on apprenait en cours et pouvoir les appliquer sur le terrain m'a vraiment paru très intéressant, tout comme développer son réseau et donc c'est pour ça que j'ai souhaité continuer dans cette voie-là en intégrant un parcours alternance qui proposait également d'avoir ce mix entre l'apprentissage théorique en cours et de l'apport très pratique grâce à l'entreprise. J'ai choisi de faire mon alternance du coup dans la concession H Cormier qui regroupe les marques BMW et Mini ainsi que BMW Motorrad à La Rochelle parce que je suis attiré depuis tout petit en fait par le monde automobile et moto. J'ai pu faire des stages auparavant dans ce secteur-là et pouvoir aujourd'hui réaliser une alternance dans ce milieu-là est vraiment très bénéfique pour moi puisque ça me permet de jongler entre différentes marques qui ont des univers très différents et une approche client qui est très différente. Donc sur un point de vue marketing, c'est vraiment très intéressant et très complet sur l'apprentissage et la manière dont on expérimente et on met en place des concepts. Alors les missions au sein de la concession sont assez variées, notamment au marketing et à la partie digitale. On a une grosse partie de notre temps qui est consacrée à faire de la création digitale à destination donc des réseaux sociaux, de la publicité, que ce soit presse papier ou même encore radio. Et puis on a également une partie qui est assez importante d'événementiel, puisqu'en fait on va organiser pour les trois marques qu'on représente de l'événementiel pour des lancements de véhicules, des journées consacrées aux clients sur piste ou même des compétitions de golf. Autant vous dire que c'est très 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 varié et on ne s'ennuie pas une seconde. Alors la plus-value d'avoir un étudiant, je pense que c'est d'avoir une vision externe et plus dynamique, un peu plus jeune sur le service, sur l'entreprise en général. Donc je pense que c'est important pour les entreprises de laisser une chance aux plus jeunes, déjà pour les former pour l'avenir. Et deuxièmement, vraiment ça donne une nouvelle vision à l'entreprise. Ça permet de, comment dire, de prendre un peu de hauteur, un peu de recul. On a souvent la tête dans le guidon, on se pose plus trop de questions et ça permet de remettre un peu les choses en perspective, je pense. Et pour Hugo Talon, en l'occurrence, c'est quelqu'un qui est extrêmement créatif et dans l'automobile, c'est important d'avoir quelqu'un qui casse aussi un peu les codes. Dans un service marketing, on est obligé de se renouveler, d'innover. Et donc, Hugo, en tout cas, voilà, très très impliqué, c'est quelqu'un qui ne compte pas son temps et qui anticipe pas mal les demandes. Et ça, c'est assez agréable pour toute entreprise d'avoir quelqu'un qui anticipe le besoin. Ça veut dire qu'il a vraiment compris le fonctionnement de l'entreprise et ça les dégage énormément de temps, naturellement. Et enfin, dernier petit clin d'œil, c'est qu'il a su vraiment s'intégrer en termes de cohésion d'équipe. Donc nous, on est 3 au service marketing, mais dans l'entreprise, on est 63. Et voilà, il a su créer un vrai lien, avoir son identité en tant que personne au sein de la société. C'est pas l'alternant du service marketing, voilà, il a vraiment trouvé sa place, il s'entend bien avec tout le monde. Et je pense que ça a fortement joué à sa bonne intégration. Allez, je vous parle. Donc là, on se retrouve en extérieur pour shooter du contenu pour la concession moto BMW Motorrad. C'est ça qui est appréciable dans l'alternance, c'est d'être mobile et de ne pas toujours travailler derrière un bureau. Donc nous, à La Rochelle, on s'efforce de faire du contenu complètement local, créé avec nos machines et dans des lieux qui parlent aux gens autour de La Rochelle. Donc là, on est typiquement en train de faire un shooting photo pour deux motos de la gamme BMW Motorrad. Donc là, on est de retour au bureau. On va regarder et retoucher les photos qu'on a prises tout à l'heure. Et en gros, ces photos, elles nous servent pour tout ce qui est digital. Donc ça peut être soit des posts sur les réseaux sociaux, soit des campagnes d'emailing, soit sur le site internet, ou alors du print. Parfois, on fait des tableaux qu'il y a partout dans la concession, de la PLV, des flyers, voilà, pas mal de choses. Donc là, ça sera essentiellement pour des flyers, les photos qu'on a prises tout à l'heure. Si je devais donner un conseil aux étudiants alternants, c'est d'être organisé afin de pouvoir avancer sur ses projets personnels durant ces moments off. En plus de ça, la ville de La Rochelle est plutôt sympathique, je vous laisse découvrir ça.
Eh bien, ça y est, le week-end est terminé. Nous avons pu bien profiter du soleil et des environs de La Rochelle. Maintenant, il est l'heure de retourner en cours. L'objectif est de finir un maximum de travaux lorsque l'on est en cours pour pouvoir se consacrer pleinement à notre temps d'entreprise lorsque c'est le cas. Comme je vous l'ai dit précédemment, si je devais vous donner un seul conseil, ce serait de choisir une entreprise et un projet qui vous plaît pour pouvoir vous y épanouir sur l'ensemble de l'année.